Donc, React Native, gestion de l'interface utilisateur. On a vu la dernière fois les principes de base d'une application React Native, un petit peu son anatomie dans les grandes lignes. Maintenant, on va voir un petit peu, on va détailler ce que c'est qu'un composant et en particulier, on va parler du cycle de vie d'un composant, par quelles étapes il passe entre sa naissance et sa mort, enfin sa création et sa destruction, disons. On va parler, évoquer les notions de style et le positionnement des éléments. Et enfin, on va évoquer la gestion de la navigation. Et je vais vous présenter quelques détails, enfin avec un petit peu de détails, disons, un composant qui va vous permettre de faciliter la gestion de la navigation dans vos interfaces utilisateurs. Alors, les cours magistraux sont relativement resserrés au début de ce module. Donc, il y a beaucoup de choses que je vais vous dire que vous n'allez pas mettre en pratique dans les jours qui viennent. Évidemment, le risque, c'est que vous oubliez. Je voudrais juste qu'au moins que vous reteniez que ces informations, à un moment donné, vous ont été données. Enfin, en tout cas, j'aurais essayé. Et de vous y référer au moment où vous en aurez besoin pendant les TP ou pendant les projets, étant donné qu'il y a un nombre assez significatif de projets informatiques individuels qui devraient être réalisés autour de React Native. Alors, j'avais dit que les composants, c'était les briques de base d'une application React et donc React Native, et que cette notion de composant, la compréhension de cette notion de composant était vraiment essentielle pour, je me mets le chat dans un coin, pour arriver à bien faire les choses. Un composant a un cycle de vie qui est bien défini, qui est toujours le même évidemment, qui est géré par le framework React ou React Native, et qui permet, quand on connaît ce cycle de vie, qui permet d'intervenir au moment où on souhaite pour pouvoir faire des choses par l'intermédiaire de code associé justement au cycle de vie du composant. Donc le cycle de vie, il est grosso modo en 5 étapes, ce qu'on appelle le montage, le mounting, c'est-à-dire grosso modo la création, le rendu, les mises à jour qui peuvent arriver une fois que le composant a été rendu initialement, le démontage, donc l'inverse du montage, la disparition du composant de l'interface utilisateur, et enfin la suppression. Et ces cycles de vie vont être associés à des méthodes que vous allez pouvoir redéfinir pour justement exécuter du code à des moments bien déterminés du cycle de vie du composant. Les méthodes liées au cycle de vie d'un composant que vous pouvez connaître et que vous avez la possibilité donc de redéfinir pour intervenir. Alors, il y a le constructeur. C'est évidemment là que vous allez initialiser les propriétés et l'état du composant. On vous rappelle que les propriétés, ce sont les caractéristiques grosso modo immuables, même si le composant parent peut les modifier. En général, elles ne sont pas forcément prévues pour être modifiées après la création du composant. L'état, c'est l'inverse. L'état, c'est les données que porte le composant et cet état peut être amené à bouger dynamiquement pendant justement le cycle de vie du composant. La méthode render est la méthode qui gouverne le rendu visuel du composant. Ensuite, vous avez 3 méthodes, component did mount, shoot component update et component did update, qui permettent. Alors, component did mount, c'est juste après le montage du composant. Juste après son initialisation, c'est là-dedans, par exemple, que vous allez pouvoir, on verra des exemples un peu plus tard, mais vous allez pouvoir écrire du code qui va faire des appels pour récupérer des données et mettre à jour l'état du composant. Ces appels seront asynchrones. Retenez ce mot dont je vous reparlerai souvent. Asynchrone, ça veut dire que vous allez exécuter du code qui va faire un appel, qui va lancer un appel, mais vous n'allez pas obtenir le résultat immédiat. Cet appel va être exécuté et vous allez être notifié ultérieurement, un peu comme la manière, si on veut trouver un parallèle avec un gestionnaire d'événements d'une application Informs, vous serez notifié ultérieurement quand les résultats seront disponibles. Mais quand vous lancerez cet appel, les résultats ne seront pas disponibles immédiatement. Donc, vous ne pourrez pas, par exemple, mettre à jour le composant immédiatement après parce que, encore une fois, cet appel étant asynchrone, les résultats ne sont pas disponibles. Voilà. Retenez ça, j'en reparlerai. Il y a beaucoup de choses
qui se feront de manière asynchrone quand vous voudrez accéder à des données externes depuis une application React ou React Native. C'est vrai aussi pour, en général pour les applications web écrites avec JavaScript. Donc, il faudra que vous habituiez à travailler dans cet environnement. Bon, les deux autres méthodes, on les utilise un peu moins souvent. Elles permettent de gouverner éventuellement et d'annuler la mise à jour d'un composant. Et puis, on a une autre méthode qu'on peut utiliser pour créer du code, écrire du code après la mise à jour du rendu. Voilà. Bon, la liste est là. Vous l'aurez vu, la plus importante, outre les deux premières, c'est la méthode component did mount qu'on aura l'occasion de. J'aurai l'occasion de vous montrer comment on peut s'en servir. Le cycle de vie est le même pour une application, enfin pour un composant React et pour un composant React Native, évidemment. Ensuite, on va parler du style et du positionnement des éléments dans l'application. On a déjà vu que la gestion du style pour les applications React et React Native peut se fait souvent en créant un objet style. Bon, qu'on n'est pas obligé d'appeler comme ça, mais enfin, c'est le nom standard, il n'y a pas vraiment de raison de le renommer. On va créer un objet style et cet objet en fait, va être un espèce de conteneur qui va contenir un certain nombre de sous-objets. Ces sous-objets vont eux-mêmes gouverner le style d'un élément ou d'une catégorie d'éléments de votre application. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir centraliser les styles. Ensuite, ou avant, hein, l'ordre dans le fichier importe peu. Ensuite, vous allez créer des éléments et vous allez les styler. On peut le faire en ligne. On avait vu un exemple la dernière fois en définissant directement les propriétés de style ici. C'est OK quand il y a peu de style, que le composant est très simple, mais si on veut un petit peu plus centraliser les choses, rendre les choses plus faciles à changer, et notamment quand on a... des styles qui peuvent s'appliquer à plusieurs éléments, à plus d'un élément. C'est maladroit de les déclarer en ligne directement ici, hein, de mettre color égal color de point red ici directement. On va plutôt utiliser, déporter cette déclaration de style ici pour pouvoir simplifier le rendu, etc. etc. Alors, je vais vous montrer. Je vais essayer... Je vais changer de technique pour faire mes copier-coller parce que la dernière fois ça a été assez catastrophique. Je vais aller chercher le code source qui m'intéresse. Hop. Je vais le mettre dans mon application d'exemple. Je vais. Je vais retrouver mon application d'exemple. Je vais démarrer mon application d'exemple. Hop. On va attendre 5 secondes ou pas. Ce qui m'intéressait plutôt de lancer via l'émulateur. Alors, j'en profite, je meuble. J'ai reçu un ou deux messages, donc je pense que un certain nombre d'entre vous ont fait le job. Essayez, autant que faire se peut, d'avoir votre environnement de travail qui soit prêt pour le prochain TP. Un environnement de travail prêt, ça veut dire Node installé sur votre machine. Ça veut dire Expo installé sur votre machine. Déjà ça sera bien. Après, si vous voulez, vous pouvez aller jusqu'à créer une application de test et essayer de la déployer, voir éventuellement pourquoi pas installer l'émulateur qui encore une fois offre un confort de travail supplémentaire. Voilà, essayez de pas. J'ai eu un petit CR des TP de David hier. Bon, a priori ça s'est pas trop mal passé. Plus vous gagnez du temps avant, plus vous avez du temps à consacrer à ce que vous avez vraiment à faire dans le cadre de cette TP. Alors, si on regarde, on a donc un style avec, qui s'applique aux différents éléments en fonction de ce que j'ai choisi de mettre ici
dans le style, dans la propriété style de chacun de mes composants texte. Hop. Donc ça ressemble à du CSS avec une espèce de notation camel case, machin. Bon, ça, c'est pas du tout compliqué. C'est une partie qui pose pas spécialement de problème. Une partie qui est un peu plus délicate à bien comprendre, c'est la gestion des dimensions de vos composants. Soit vous allez donner à vos composants des dimensions fixes, soit vous allez donner à vos composants des dimensions pas fixes, c'est-à-dire flexibles. On dira qu'on appellera ça plutôt des dimensions flexibles. Alors, des dimensions fixes, ça va être, on va les utiliser pour les composants qui doivent toujours être affichés à la même taille. Bon, vous le savez parce que vous avez fait du développement web, on est un petit peu dans les mêmes problématiques avec le développement mobile. Tous les terminaux n'ont pas forcément la même taille. Donc, travailler uniquement avec des composants de taille fixe, c'est vraiment délicat, voire même quasiment impossible, parce que vous avez toutes les chances de définir des composants qui seront trop grands dans certains contextes et trop petits dans d'autres. Voilà, donc c'est vraiment à réserver à certains éléments, certains morceaux d'interface utilisateur qu'on peut considérer comme pouvant être positionnés toujours de la même manière, avec la même taille. Alors, je vais chercher le code de l'exemple. Même comme ça, je n'arrive pas. Enregistre et magie. Là, j'ai trois composants. Donc, il s'agit juste de vue. Le composant vue, c'est vraiment le composant le plus. C'est l'équivalent, grosso modo, d'une balise div en HTML, c'est-à-dire le composant le plus générique. Ici, je définis son style, donc j'ai appelé ça en ligne, c'est-à-dire que je mets directement les valeurs des propriétés ici. Donc là, c'est acceptable parce que j'ai trois styles différents, parce qu'il n'y a pas de répétition, etc. Donc j'ai un composant qui fait 50 par 50, un autre qui fait 100 par 100, un autre qui fait 150 par 150, et je retrouve mes trois carrés positionnés les uns sur les autres ici. Voilà, bon, ça c'est facile. Alors là, on arrive sur des choses moins faciles, c'est quand on commence à parler de dimensions flexibles. Les dimensions flexibles sont intéressantes parce que, et c'est ce qu'on va essayer d'utiliser en priorité, parce que, évidemment, leur caractère flexible fait que ces composants vont s'adapter à la taille de l'écran, à la place disponible pour les afficher, disons. Et donc là, vous allez pouvoir faire quelque chose on parlerait éventuellement, enfin on n'en parle pas dans le cadre mobile, mais c'est un peu l'équivalent du responsive design qui s'est imposé dans le web il y a déjà plusieurs années. Autrement dit, des choses qui s'adaptent, hein, à la surface d'affichage. Si je prends cet extrait de code-là, je vais avoir une vue dans laquelle je mets d'autres vues. Avec des valeurs. Alors là, je mets plus de taille, largeur, hauteur, définie en dur, fixée, mais je mets des valeurs de flex. On va voir ce que ça donne, et puis après, on va essayer de jouer avec. Vous avez ici la démo équivalente de ce que je vais vous faire dans l'environnement Snack de Expo, c'est-à-dire l'environnement en ligne pour créer des applications mobiles avec Expo. Donc, le code est là. Le code est là. Je le déploie. Tac. Je reviens sur mon émulateur de démo, et vous voyez qu'ici j'ai trois blocs. Et ce qui est intéressant, c'est que la dimension flex, enfin la propriété flex, fait que les enfants s'adaptent et se dimensionnent de manière proportionnelle
Donc celui-là est trois fois plus grand que celui-là, celui-là est deux fois plus grand que celui-là. Donc il y a des proportionnalités qui font que mon application s'affiche, enfin je peux éventuellement créer des zones avec une zone d'en-tête, une zone de, je sais pas moi, d'information, après peut-être en bas une zone de commentaires ou ce genre de choses. Je vais pouvoir créer une application de manière beaucoup plus souple, une application dont lui il sera beaucoup plus adapté systématiquement au contexte. Alors, si je veux faire ce que le code me propose, Flex repose sur le principe de mise en page de Flexbox que vous avez, rappelez-vous, étudié l'an dernier dans le cadre du module de développement web. Si j'enlève ça, je vais faire comme il me dit, hein, je vais être discipliné. Si j'enlève le flex sur le parent, c'est-à-dire que si je dis que le parent ne s'affiche pas de manière flexible, je perds tout. Parce que le parent n'a aucune, en fait, il a une dimension vide ou nulle. Et donc, les composants enfants du composant view ne s'affichent plus parce que celui-là n'a plus. N'a pas de taille définie. À l'inverse, si j'ajoute en dur une propriété de taille, là je vais avoir j'ai un parent qui a une taille, donc qui va pouvoir afficher ses enfants. Ses enfants s'affichent de manière flexible, donc avec une taille basée sur les valeurs de la propriété flex ici que j'ai défini. Par contre, c'est dans le cadre d'un composant parent qui a une hauteur fixée de 300. Donc, ça veut dire que j'ai de la flexibilité à l'intérieur de quelque chose qui est, qui est rigide, qui est fixe. Vous allez donc pouvoir composer un petit peu. Alors, ça prend un peu de temps, ça ne vient pas tout seul. Et moi, je vous avoue que de temps en temps, je suis encore surpris et il y a encore des choses que je ne comprends pas forcément directement. Ça arrive même assez régulièrement en ce qui concerne l'affichage. Mais disons qu'en combinant la possibilité, ce qu'il faut retenir, c'est que pour pouvoir être affiché, un composant doit avoir une dimension. Et qu'en combinant dimension statique et dimension flexible, vous allez pouvoir définir une UI qui s'adaptera le mieux possible à la surface d'affichage du terminal mobile ou téléphone, tablette, etc., etc. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui demande à être un petit peu pratiqué. Et là je vous montre des choses, ça semble très simple et facile. Quand on commence à avoir une UI un peu complexe avec des composants enchaînés, les uns dans les autres, etc. C'est pas forcément, on n'arrive pas forcément du premier coup. Enfin, en tout cas, sans une certaine expérience, on n'arrive pas forcément du premier coup à tout bien positionner. Et c'est des choses qui viennent avec la pratique et l'expérience. Voilà. Vous avez, là, je vous présente les grands principes. Et c'est des choses que vous saurez mettre en place au bout d'un moment. Alors justement, Flex vient de c'est inspiré, disons, du mode de mise en page qui s'appelle Flexbox, qui est à l'origine un mode de mise en page qui a été créé pour les interfaces web et qui permet de gérer l'affichage sous la forme d'un flux, en fait, qui va. Les morceaux d'affichage vont être déposés dans le flux suivant le paramétrage que vous avez fait. Voilà. Ça, c'est un exemple de mise en forme avec Flexbox dans un contexte web. Dans un contexte web, vous avez un axe principal qui est horizontal, qui va de gauche à droite. Donc, quand vous allez poser dans un conteneur web des éléments avec Flexbox, le premier sera là, par défaut, le deuxième sera à sa droite, etc., etc., etc. Et vous avez un cross-axis, donc l'axe perpendiculaire à l'axe principal, qu'on appelle aussi l'axe secondaire, qui est dans le cadre web du haut vers le bas. Donc, voilà comment ça fonctionne. Et puis, vous avez, quand vous utilisez Flexbox,
vous avez la possibilité de modifier la direction du flux et l'orientation du flux. Donc, par défaut, dans le cadre web, le flux, il est horizontal et il est vers la droite. Par défaut, dans un cadre mobile, le flux, il est du haut vers le bas. Donc, c'est le même principe. La mise en page Flexbox fonctionne de la même manière pour les applications mobiles que pour les applis web, que pour les applis web. La seule différence, c'est enfin, la direction par défaut du flux qu'on considère avec une certaine logique dans le cadre d'une application mobile, enfin, en particulier de tout ce qui va être déployé sur les téléphones. Ça a plus de sens, l'axe principal de positionnement des éléments pour un terminal mobile. Il est plutôt vertical qu'horizontal. Et donc, en modifiant cette flex direction, vous allez pouvoir modifier, par exemple, positionner les composants plutôt de la droite vers la gauche, ou bien positionner les éléments plutôt du haut vers le bas. Quand vous allez, ça peut être utile, ça, par exemple, si vous voulez gérer un flux de commentaires avec les commentaires les plus récents en haut plutôt qu'en bas, ou un mur, ou enfin. Ce genre de contexte. Donc, vous allez pouvoir modifier cette valeur de flex direction et, encore une fois, modifier la manière dont fonctionne, dans votre application va fonctionner. Donc, si on revient vous voyez que grâce à Visual Studio, si votre Visual Studio est bien configuré, vous allez avoir la complétion syntaxique qui va vous permettre de connaître directement les valeurs des propriétés que vous allez pouvoir mélanger, que vous allez pouvoir utiliser. Et là, vous voyez que ce que j'ai fait, je suis revenu sur un mode d'organisation flex pour mes trois composants vus ici, en modifiant le paramétrage du composant parent. Et là, ici, j'ai changé la flex direction, c'est-à-dire que auparavant, j'avais la flex direction par défaut qui correspondait à la colonne. Donc, je positionnais mes éléments du haut vers le bas en colonne, verticalement. Et là, maintenant, je suis passé dans un mode d'organisation row, c'est-à-dire que je suis revenu, en fait, je me suis réconfiguré comme dans le contexte d'une application web, où mes composants vont être positionnés suivant un axe horizontal, suivant un axe principal horizontal, plutôt qu'un axe principal vertical, comme c'était le cas auparavant. Voilà. Donc là encore, en combinant flex direction, etc., vous allez pouvoir gérer votre affichage comme un ensemble de blocs que vous allez positionner comme bon vous semble. Ensuite, on peut même aller plus loin, on peut faire exactement ce qu'on peut faire dans un cadre web, c'est-à-dire modifier le positionnement des éléments, les mettre plutôt au début, à la fin, au centre, avoir un même espacement entre les composants, avoir un même espacement autour des composants, avoir un espacement identique avant et après chacun des composants. Voilà. Donc, on peut, en jouant avec ces propriétés, avoir vraiment un positionnement très fin de ces blocs graphiques de votre application. Donc, on a la propriété Justify Content qui gouverne l'axe principal. Alors là, on considère que l'axe principal est horizontal. C'est des exemples qui sont tirés du web. Pardon. Et ici, on considère que on raisonne par rapport à l'axe secondaire, c'est-à-dire. Pour le web, c'est le vertical. Voilà. Donc, on va pouvoir centrer les composants, on va pouvoir les stretcher, donc les étirer au maximum, etc. etc. Bon. Je vais peut-être. Alors, si vous avez besoin de révision sur Flexbox, ce qui ne serait pas surprenant, moi, ça m'arrive aussi régulièrement d'ailleurs. Je vous mettrai en ressource un site. Je vais essayer de vous le retrouver. S'appelle Flexbox Froggy. Et qui, en fait, est un site un peu interactif. Je suis déjà au niveau 7. C'est un site interactif, je vais revenir au début.
qui vous permet de revoir un petit peu la manière dont fonctionne Flexbox avec d'un côté votre code et d'un côté je vais y arriver, j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Et la grenouille qui se déplace, ou la grenouille hein, ensuite qui se positionne en fonction de ce que vous choisissez ici. Donc ça peut être une bonne solution pour revoir un peu les bases du fonctionnement de Flexbox. Encore une fois, là on est dans un contexte web évidemment. Il faudra l'adapter au contexte mobile, c'est-à-dire les principes sont les mêmes, mais on permute, enfin on change l'axe principal, hein, vous avez compris. Sur le web il est horizontal, en mobile il est vertical. Voilà, je vous renvoie éventuellement à ce site, cette ressource Flexbox Froggy, si jamais vous voulez revoir ce que vous devez savoir sur Flexbox. C'est la ressource qu'on va utiliser avec le première année dans les jours qui viennent pour le début du module de communication. Troisième partie de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, la gestion de la navigation. Donc jusqu'à présent, vous savez, vous allez bientôt savoir par l'intermédiaire du premier TP, créer une application React Native, ajouter des composants, modifier le style de ces composants, et puis grosso modo, positionner ces composants où vous avez envie dans votre interface utilisateur. Il manque une pièce du puzzle, c'est tout ce qui va concerner la navigation, parce que vous savez qu'une application mobile est rarement constituée évidemment d'une seule vue monobloc sur laquelle il ne se passe rien, mais on a souvent des éléments qui vont être cliquables, on va avoir aussi régulièrement des onglets, on va pouvoir passer d'une vue à l'autre, revenir en arrière, naviguer, bref. Voilà. Alors pour naviguer, en standard, étant donné que React Native n'est pas un framework, all-inclusive, qui inclurait tout un tas de mécanismes pour gérer la navigation, l'authentification, l'accès à des données externes, etc. C'est pas un framework si compliqué que ça qui vous impose toute une architecture. C'est plutôt un outil qui permet de gérer une application sous la forme d'un ensemble de composants, mais qui vous laisse libre ensuite de définir la manière dont vous allez vouloir fonctionner, naviguer, gérer l'authentification, etc. etc. Donc, pour répondre à toutes ces problématiques, il y a un certain nombre de composants issus de la communauté des développeurs qui ont émergé, dont les plus utiles sont devenus en quelque sorte pas forcément des standards, mais disons que ce sont des choses qui sont beaucoup utilisées par de nombreuses applications parce qu'elles répondent à des besoins récurrents qui, encore une fois, ne sont pas couverts en standard par le framework tel qu'il est. Parce que c'était pas l'objectif du framework de définir quelque chose qui soit en espèce de tout en un, un peu monobloc, qui n'offrirait qu'une seule manière de faire les choses. Parmi ces composants, on peut identifier React Navigation pour justement gérer la navigation dans une application React Native. Le petit logo est cliquable ici, donc vous pouvez aller voir. Voilà. Eh bien, allons-y pour la démo. Non, n'allons-y pas peut-être. Ouais, non, il faut cloner, etc. C'est pas grave. Ça me donne l'occasion de vous montrer, je vous l'avais déjà dit, que le standard pour la gestion des dépendances, c'est-à-dire pour l'installation des librairies tierces dont dépend votre application, le standard historique du monde JavaScript s'appelle NPM, et qu'il existe un autre gestionnaire de dépendances qui s'appelle Yarn, qui est plus récent, qui a 5-6 ans, et que maintenant, les deux coexistent plutôt pacifiquement d'ailleurs. Simplement, il y a un certain nombre d'exemples, et notamment les exemples récents qui sont basés sur l'utilisation de Yarn plutôt que NPM. Mais quand vous voyez Yarn, vous pouvez utiliser NPM, enfin, sauf dans des cas très spécifiques que j'espère vous ne rencontrerez pas. J'espère pour vous et aussi pour moi. Quand vous voyez Yarn, vous pouvez taper NPM à la place, et quand vous voyez NPM, si vous avez installé Yarn ou que vous avez déjà utilisé Yarn ou que vous préférez Yarn pour une raison qui vous regarde et qui peut être respectable, vous pouvez inverser l'un pour l'autre et normalement ça devrait fonctionner.
Alors, c'est une démo, mais moi j'aurais préféré une démo un peu plus visuelle sans devoir cloner le répertoire. Donc, je vais revenir en arrière, je vais revenir à mon diaporama. On va continuer. Première étape, il va falloir installer React Navigation. React Navigation se base sur un certain nombre de packages. Qui eux-mêmes se basent sur d'autres packages. Enfin bref, c'est relativement compliqué. Je suis en train de bégayer à moitié parce que j'ai mis ça à jour hier soir à une heure un peu tardive. Et je crois qu'il manque un truc dans la première ligne. Bref, je vais mettre ça, je corrigerai l'erreur. Enfin, si erreur il y a, je vérifierai, je corrigerai dans la journée. Grosso modo, ici, vous trouverez la commande que vous devrez lancer pour installer React Navigation. React Navigation, on ne va pas s'en servir concrètement en TP avant le TP, avant le TP5, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce n'est pas encore tout de suite. Et d'ici là, j'aurai éventuellement eu le temps de revenir là, sur cette partie-là, parce que je ne suis pas certain que ce soit super correct. Retenez que, il faut plutôt. Alors là, on arrive dans des eaux un peu mouvantes et des choses potentiellement compliquées. C'est l'histoire de gestion de dépendance entre les composants, parce que vous avez compris qu'avec JavaScript, vous rappelez le contenu du répertoire Node Modules dont je vous avais parlé la semaine dernière. Il y a beaucoup de choses dedans et il faut que tout ce petit monde cohabite, sachant que. Les composants, votre application peut dépendre de composants qui peuvent eux-mêmes dépendre d'autres composants. Et entre deux composants dont dépend votre application, ils peuvent dépendre du même composant, mais dans des versions différentes. Voilà, donc il peut y avoir des problèmes de compatibilité de tout ça, qui sont en principe gérés par, justement, c'est le rôle d'outils comme NPM ou Yarn de gérer tout ça de manière propre. Malgré tout, on arrive sur des choses là qui peuvent être potentiellement compliquées et c'est important de bien suivre, pas forcément ce que vous lisez en ligne sur Stack Overflow ou je ne sais pas où, qui est peut-être une information qui date il y a 2-3 ans, et 2-3 ans dans ces environnements-là qui bougent beaucoup, 2-3 ans c'est relativement vieux. Vous vous référerez en priorité à ce qu'on vous écrira dans les TP et dans les cours, et il faudra essayer de ne pas trop sortir des clous parce que sinon vous pouvez mettre le doigt dans des choses potentiellement compliquées, chronophages et fastidieuses. Retenez que pour avoir des versions compatibles avec Expo de tous ces composants qui sont là, Jester Handler, etc., etc., retenez qu'il faut utiliser la commande, non pas directement npm install qui va aller chercher la dernière version, mais Expo install qui va pas forcément prendre la toute dernière version, mais qui va prendre une version qui va être compatible avec la version d'Expo que vous avez sur votre poste. Donc vous allez vous éviter potentiellement des cas de, enfin des prises de tête, hein, tout simplement, dans l'installation de ces composants. Je réouvre la même parenthèse pour réinsister. Je vous avais dit que quand les choses tombent en marche dans le monde JavaScript React Native, on a tendance à plus toucher à rien. Et c'est encore une fois ce que je vous conseille de faire. Une fois que vous aurez un environnement qui tournera et des applications qui tourneront, ne cherchez pas à mettre à jour avec la toute dernière version d'Expo ou de Node ou de je ne sais pas quoi. Le seul intérêt éventuellement, c'est de répondre à des problématiques de sécurité hypothétiques. Les applications, pour ce qu'on fait, la sécurité n'est pas un vrai souci. Donc, privilégiez la stabilité et n'essayez pas forcément systématiquement de mettre à jour vers la dernière version. Prenez plutôt les versions dites LTS avec donc Long Time Support, des versions un peu plus stabilisées des choses. Vous allez vous éviter des prises de tête et du coup, vous allez nous éviter aussi indirectement des prises de tête. Donc, tout le monde va gagner du temps. Voilà pour l'installation, vous y référerez. Alors, maintenant, comment ça marche une fois que c'est installé? Parce que je vous rassure quand même, on arrive presque toujours à nos fins en ce qui concerne l'installation et on peut finalement commencer à utiliser tous ces composants qui sont pratiques pour gérer la navigation. Il existe plusieurs manières en fait, plusieurs modalités pour gérer la navigation d'une application mobile avec React Navigation. La première que je vous présente, la plus simple, celle qui est similaire au web. C'est la navigation par stack. Vous allez en fait empiler
des vues les unes sur les autres, et vous allez ensuite pouvoir dépiler, c'est-à-dire revenir en arrière, un peu comme on le ferait finalement dans le cadre d'une application web en appuyant sur le bouton back ou en déclenchant la commande ou le raccourci qui nous permet de revenir en arrière. J'anticipe un peu, j'aurais éventuellement pu vous réorganiser un peu le diaporama. Vous avez ici une application React Native de démo qui est sur le GitHub du module et qui est un peu récapitulatif de la manière dont on va pouvoir naviguer en utilisant des stacks. Je vais vous la montrer parce que une bonne démo vaut mieux qu'un bon discours. Alors, c'est où ? Je ne sais pas faire, c'est changer d'application mobile sans redémarrer mon émulateur. Je compte sur l'un ou l'une d'entre vous pour m'expliquer parce que c'est un peu idiot de ne pas savoir faire ça et pourtant, je n'ai pas encore vraiment trouvé comment faire. Donc je relance mon émulateur iOS. Je vais perdre quelques secondes. Il va falloir que je meuble en arrière. Hop. Donc on va pouvoir commencer par regarder ce code en attendant que l'émulateur soit prêt. Là, je suis dans le cadre de l'application principale, enfin le fichier principal de mon application React Native. Vous vous rappelez que quand je crée des modules, en JavaScript, je vais pouvoir choisir d'en exporter un par défaut. Et dans le cas d'une application React Native, ce que vous exportez par défaut, quand vous êtes dans le fichier principal, c'est le composant principal de votre application. Et là, le composant principal de mon application, il s'appelle app. Il s'agit d'un composant React. Et sa méthode render consiste uniquement à instancier un app container. App container, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un autre composant que je vais créer en utilisant la fonction create app container de React Navigation. Et cette fonction de création va prendre en paramètre un app navigator. Donc on est en train de naviguer dans la manière dont ça fonctionne. Le app navigator, c'est quoi ? C'est un objet, un autre. Donc on en a déjà trois là. Un autre que vous allez créer avec la fonction create stack navigator. Et c'est dans ce stack navigator que vous allez définir les différentes stacks, les différentes vues que vous allez pouvoir empilé. Donc ici, j'ai une vue qui s'appelle Home et qui, donc ça c'est son nom et ça correspond au nom du composant associé. Ça c'est le nom de la stack le nom de la vue dans cette stack, dans cette pile. Et ça c'est le nom du composant associé. Et là, je peux paramétrer en disant que par défaut, la vue que je voudrais afficher au démarrage, c'est la vue qui correspond à l'écran d'accueil. Alors ça donne ça. Donc là j'ai mon application gérée par un stack navigator. Je vais vous montrer son code. Est-ce que je vais vous montrer son code ou est-ce que je vous fais la démo? Moi, je vais peut-être vous faire la démo avant, tant pis. Je change d'avis. Qu'est-ce que ça veut dire naviguer par stack? Ça veut dire que je vais pouvoir aller vers les détails. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai navigué vers la vue qui correspond au composant Detail Screen. Il m'affiche un certain nombre de choses. Je vais pouvoir revenir en arrière vers ma vue d'accueil. Je vais pouvoir repartir. Je vais pouvoir réafficher ces détails et encore, et encore, et encore. Et là, je vais m'arrêter. Je vais pouvoir revenir en arrière et donc je vais dépiler. Alors, à chaque fois, il m'affiche une valeur spécifique pour montrer que finalement, chaque vue, chaque affichage d'un même composant peut être géré de manière distincte. Et là, je reviens jusqu'à ma vue d'accueil. Voilà. Donc, ça, c'est le principe de la navigation par pile où on va
empiler les unes sur les autres, en quelque sorte, les différentes vues qui vont vous intéresser. J'ai encore trois choses sur mon application. Vous voyez que j'ai une espèce de bandeau ici qui est similaire à ce qu'on trouve sur une partie, je ne sais pas si c'est vraiment une majorité, mais disons un grand nombre d'applications mobiles. Je vais pouvoir ajouter à chaque fois incrémenter mon compteur. Ça n'a l'air de rien, mais ça permet d'illustrer le principe de mise à jour de l'état d'un composant. Parce que quelque part, il y a dans mon application, il y a un état qui stocke, il y a une valeur qui stocke le compteur que je dois actuellement afficher. Tac, tac, tac. Et puis je peux, dans certaines situations, on retrouve la notion de modalité que vous connaissez, qu'on avait étudié dans le cadre des applications desktop Windows. Des applications qui se superposent au reste et qu'on est obligé d'enlever, de fermer avant de pouvoir retourner au reste de l'application. Donc voilà, grosso modo, ce que vous pouvez faire. On peut aussi éventuellement changer un certain nombre de choses, etc. Alors, à quoi ça correspond tout ça? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bon, je vous aurai éventuellement l'occasion. Encore une fois, ces choses-là, ce n'est pas pour tout de suite en termes de TP. Je sais que... Allez, 80% de ce que je vais vous dire maintenant, vous allez l'oublier avec une échéance, je pense, assez brève. Je vais essayer de vous donner vraiment les trucs, les choses fondamentales, et après vous viendrez vous référer à ce cours quand vous en aurez besoin, et à l'exemple quand vous en aurez besoin. Donc on a vu les stacks, c'est des piles, des écrans, enfin des composants, des vues qu'on affiche les unes sur les autres. Ok. Ensuite, pour naviguer entre vues, vous allez utiliser des méthodes particulières. Vous allez pouvoir utiliser une propriété particulière des composants qui correspondent à des vues gérées par React Navigation. Donc, autrement dit, home screen, detail screen, etc., etc. Vous allez pouvoir avoir une propriété navigation qui va elle-même, en fait, qui correspond à un objet, qui va lui-même disposer d'un certain nombre de méthodes, et par exemple la méthode navigate va permettre de naviguer vers une route à partir de son nom, donc d'afficher une nouvelle vue. Vous allez pouvoir afficher plusieurs fois, pourquoi pas, la même vue, et vous allez pouvoir faire l'inverse, grosso modo revenir à la vue précédente en utilisant la méthode goBack. Si j'essaye de vous montrer ce que ça donne, là, dans le cadre de la vue des détails, vous allez pouvoir définir, donc dans la vue des détails que je vous ai montré tout à l'heure, je vous la remontre, hop, tac. Alors, on va la remettre proprement. Je ne vous ai pas forcément mis tout le contenu, hein, mais vous allez avoir des boutons pour retourner, pour pousser en fait cette vue de nouveau, c'est-à-dire recréer une nouvelle fois cette vue. Parfois, c'est quelque chose que vous allez vouloir faire. Vous allez pouvoir naviguer. Alors, celle-là, non, je ne l'ai pas, ça ne correspond pas tout à fait. Là, je l'ai affiché ici, le retour à la vue d'accueil. Mais on pourrait choisir de naviguer vers la vue Home et on pourrait choisir de naviguer vers la vue précédente. Ce code est une version simplifiée finalement de ce que vous avez ici, où le lien pour revenir en arrière, il est dans le bandeau en haut de l'application. Hop. Par contre, le Go to Details Again fait bien un push de la nouvelle vue. Donc voilà comment on peut utiliser ces méthodes de navigation. Vous allez pouvoir éventuellement passer des paramètres entre vues pour personnaliser des vues en modifiant par exemple le titre, ou si vous voulez afficher par exemple des détails sur un élément, vous allez pouvoir naviguer vers la vue qui affiche les détails, et pourquoi pas passer en paramètres l'identifiant ou les propriétés de l'élément pour que la vue affiche le nom, par exemple si vous voulez afficher, je sais pas, un utilisateur, le profil d'utilisateur, ça affichera son nom, son prénom, sa photo, etc., etc. Donc vous allez pouvoir passer des paramètres à une vue. Donc si vous voulez par exemple afficher la vue de détail en donnant les propriétés item ID et other param, vous allez pouvoir créer ici un objet,
Ça, c'est un objet, ce que je mets en surbrillance ici, c'est un objet JavaScript qui porte les deux propriétés de votre élément. Blablabla. Et ensuite, plus loin dans le detail screen, vous pourriez avoir un item ID qui va récupérer l'item ID et le transformer en chaîne de caractères par l'intermédiaire de cette fonction ici, stringify. Donc voilà comment on peut, voilà comment les items ID ici sont modifiés. Alors, vous pouvez, après, il y a plein d'autres choses. Encore une fois, il est. Non, j'ai encore un petit peu de temps. Il y aurait plein d'autres choses à dire. Je ne veux pas vous noyer avec des détails techniques que vous allez oublier rapidement. Vous pouvez modifier des options de navigation pour modifier, par exemple, des styles, etc. Changer des. Enfin, rassembler ici des paramètres qui vont être communs à plusieurs éléments. Vous allez pouvoir éventuellement définir aussi des choses qui vont être modales. Donc c'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, ça c'est pas forcément, on n'utilise pas forcément ça de manière ultra intensive, mais c'est quand même bien de retenir que ça peut pourquoi pas fonctionner. Et encore une fois, vous pourrez vous référer à cet exemple récapitulatif qui regroupe un petit peu le code que je viens de vous montrer avec encore un peu, deux, trois autres détails pour retrouver la manière dont ça va fonctionner. Voilà pour la navigation par stack. Deuxième et dernière chose que je vais vous présenter aujourd'hui, oui. Là, dans une quantité également importante d'applications mobiles, on trouve une possibilité de naviguer via des onglets qu'on peut mettre en haut ou en bas de l'écran et qui permettent par exemple d'accéder au paramétrage, ce genre de choses. Donc vous allez pouvoir faire ça aussi avec React Navigation, sauf que cette fois vous allez créer non pas un Stack Navigator mais un Bottom Tab Navigator ici, c'est-à-dire que comme son nom l'indique, vous allez composer vous allez créer votre navigation sur la base d'une navigation par onglets qui seront en bas, bottom, de l'application. Ici, j'aurai un onglet qui correspondra à la page d'accueil et un autre qui correspondra aux settings, aux réglages de mon application. Vous pourrez naviguer avec des onglets en utilisant là encore la méthode navigate, un petit peu comme tout à l'heure. Donc là, j'ai l'exemple d'une vue dans laquelle je mets un texte pour dire que c'est la page d'accueil, un texte enfin, évidemment simplifié, et j'ai un bouton dont la méthode onPress déclenche la fonction suivante. Vous rappelez que ça, c'est la syntaxe pour déclarer une fonction anonyme avec la fatArrow syntaxe, donc une fonction fléchée, la fatArrow, c'est celle-là, la flèche large. Donc cette fonction du onPress ne prend pas de paramètres et elle déclenche l'action de navigation vers les paramètres de l'application. On peut combiner, et d'ailleurs c'est le plus souvent ce qui se passe, on peut combiner navigation par stack et navigation par pile et navigation par onglet en créant des stack navigateurs et en positionnant ces stacks navigateurs à l'intérieur de tab navigateur. C'est-à-dire que vous allez avoir le niveau principal de navigation, ça sera les onglets, et à l'intérieur de chaque onglet, vous allez pouvoir empiler différentes vues. Il existe là encore un exemple récapitulatif que je vais vous montrer tout de suite, qui s'appelle tab navigateur. Et qui montre justement, qui illustre la manière dont cette navigation par onglet peut se faire. Ce que je veux, c'est l'émulateur.
Donc vous pourrez aller voir le code au moment opportun, vous pourrez aller voir le code sur GitHub. Ça, c'est ces applications qui en fait reprennent les tutoriels de la documentation de React Navigation. Vous pouvez peut-être d'ailleurs retrouver l'équivalent en allant voir en ligne. Mais j'avais repris la manière dont ça fonctionnait sur la documentation. Voilà. Alors, est-ce que ma démo est prête? Oui. Ma démo est prête. Donc, j'ai quoi ici de nouveau? J'ai deux onglets. J'ai un onglet qui correspond à ma page d'accueil, un onglet qui correspond à mes settings. Alors, un petit détail qui a gêné les étudiants des promos précédentes. Ce n'est pas si simple que ça de gérer, ça paraît tout bête, mais de gérer correctement les icônes de ces onglets, parce que les icônes font parfois appel à des choses qui, en fonction des icônes que vous choisissez, ce sont des choses qui n'existent que sur iOS ou que sur Android. Et donc, dans l'un ou l'autre des environnements, parfois, on a un point d'interrogation qui signifie que l'icône n'a pas été trouvée, etc. etc. Faut pas forcément. Alors, ça peut faire partie des choses qui vous font chercher et perdre du temps. Encore une fois, vous voyez que là, finalement, j'ai choisi des icônes qui sont normalement relativement génériques. Mais vous pouvez éventuellement retenir que vous pouvez éventuellement avoir des problèmes avec ces éléments-là. Alors, ce qui se passe, c'est que ici, donc je suis dans le cadre d'un tab navigateur, je suis dans l'onglet Home, et à l'intérieur de mon onglet Home, je suis dans le cadre d'une navigation par onglet. Alors, ce n'est pas parfait parce que finalement, cette icône change alors qu'elle n'a pas spécialement de. Non, je lui dis des bêtises. Là, je navigue vers l'onglet Settings. Donc là, je change d'onglet. Et là, à l'intérieur, je reste dans le cadre de l'onglet Home, mais j'ai mon stack navigateur à l'intérieur de mon tab navigateur. Donc là, je vais naviguer sur ma page de détail. Et je reviens à ma page d'accueil dans le cadre de cet onglet, que j'aurais éventuellement dû nommer différemment pour qu'il y ait moins d'ambiguïté. Et donc, je peux switcher d'un onglet à l'autre. Quand je reviens sur cet onglet accueil, je suis encore sur l'affichage de ma vue de détail. Et donc, je peux ensuite revenir à ma page d'accueil. Voilà. Donc, on va pouvoir combiner navigation par stack et navigation par onglet pour arriver à faire ce qu'on veut. C'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure au sujet du positionnement graphique des éléments. Sur le principe, ça peut sembler relativement simple ou pas trop compliqué. En pratique, quand on a un workflow dans l'application qui est potentiellement complexe, on peut arriver à des situations pas forcément hyper simples. Donc moi, ce que je vous conseille, dans la mesure du possible, c'est de privilégier la simplicité, c'est-à-dire notamment quand vous en serez dans le cadre de votre projet mobile ou du projet informatique individuel, si vous le faites dans un cadre d'application mobile, je vous conseille de privilégier la simplicité. Plutôt que dès le départ de partir sur des choses complexes qui peuvent éventuellement vous faire perdre du temps et vous faire tomber sur des problématiques pas forcément très très simples à gérer. Dernier slide pour aujourd'hui. Il existe d'autres possibilités de navigation. Vous pouvez naviguer avec ce qu'on appelle parfois un menu accordéon ou un burger menu. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va apparaître la plupart du temps sur le côté, dans la terminologie React Native, c'est Drawer Navigation. Voilà. J'ai un exemple de ça. J'ai un exemple, mais ça ne correspond pas tout à fait au code que vous avez. Si ça revient même. Donc vous pouvez aussi implémenter une navigation basée sur un menu accordéon. Et puis React Native apporte aussi des fonctions, des React Navigation, pardon,
apporte aussi des fonctionnalités pour gérer l'authentification, qui est un besoin qui est quand même très fréquent dans le cadre des applications mobiles. Je vous laisserai, enfin, on a le temps de revenir là-dessus, on n'aurait pas besoin de ça avant de s'intéresser au projet, donc on a largement le temps. Voilà, c'est terminé pour ce matin. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, a priori. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je mettrai ce cours en ligne, j'espère aujourd'hui ou plus tard demain, je pense. Donc, vous pourrez éventuellement vous y référer. Encore une fois, ce sont les choses qu'on aborde aujourd'hui. Vous n'en avez pas besoin pour les deux prochains TP. C'est plutôt par la suite que vous pourrez éventuellement vous y référer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.